m'appelle Jasper. Je suis le métier qui a créé les guitares Sandorbit. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans le métier et 5 ans que je suis installé à Lyon. Pour moi, la guitare classique, c'est un instrument très expressif, très dynamique. Vraiment trouver beaucoup de sons différents et en fait c'est cette fête là qui apporte une richesse à la fabrication aussi. C'est le fond, et je viens après avec la manche. Du coup, avec ce système, ça m'a permis de faire un touche surélevé. Ça m'a permis aussi de faire une table vachement plus bombée qu'avant, qui dans une sonorité un peu plus comme une harpe, plus doux. Le rôle de le luthier, c'est de bien choisir son bois, de marier table avec un fond qui va bien avec. Il faut choisir une certaine musicalité dans le bois. Faire sonner une guitare, c'est un métier même. Ça, c'est un autre métier. On ne peut pas être concertiste et luthier. C'est deux métiers même. On travaille ensemble, il faut qu'on ait une relation très très proche. C'est une relation symbiotique où il y a une grande communication pour arriver à un produit fini qui convient à tous les deux. Doit être une décision consciente. C'est-à-dire, il y a tellement de variables, il faut qu'on contrôle chaque partie pour être sûr d'un résultat final. Ça peut être les épaisseurs de la table, les épaisseurs de le fond et les éclisses, les dessins de la chevalet, jusqu'au col et finitions qu'on utilise. J'utilise 4 ou 5 cols différents. Je fais une finition de vernis à tampon. Je trouve le vernis à tampon, c'est une finition la plus fine. Et ça empêche les tables, ça empêche pas la table à vibrer. Et c'est une finition qui prend bien large. Chaque décision que je prends, c'est surtout pour la sonorité de l'instrument. Les soucis esthétiques, ils viennent toujours après. En considération principale, ça sera toujours une sonorité. Parce que c'est ça la guitare, c'est un outil pour créer la musique.